Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Vastavattide Potavattide Asayandu Kanta Chesina Karmamu Chadani Padartamu Cherunumi Venta Chesina Karmamu Chadani Padartamu Cherunumi Venta Setilo Amritamu Unnanta Sepe Anadhamulanta Agadham Pai Poye Nadu Yavaru Raru Venta Vastavattide Potavattide Asayandu Kanta Chesina Karmamu Chadani Padartamu Cherunumi Venta Panchabhutamula Tolubhammato prapanchamayanata Panchabhutamula Tolubhammato prapanchamayanata Antamu varaku kinchadaseto Penchenu jagamanta Antamu varaku kinchadaseto Penchenu jagamanta Vastavattide Potavattide Asayandu Kanta Chesina Karmamu Chadani Padartamu Cherunumi Venta Chesina Karmamu Chadani Padartamu Cherunumi Venta
Namaskaram. Namaskaram à tous, où que vous soyez. À l'heure actuelle, tout s'est mis à tourner autour du corona dans le monde. Mais nous devons comprendre que les virus et les bactéries ne sont pas nouveaux. C'est juste que celui-ci en particulier est un peu nouveau pour nos systèmes. La chose importante à comprendre, c'est comment gérer cet être humain. Parce que si vous ne savez pas gérer celui-ci, alors vous ne gérez tout le reste que par accident. Donc c'est ce que karma veut dire, que vous devenez conscient. Vous devenez conscient de vos actions physiques, vos actions psychologiques ou mentales, vos actions émotionnelles et votre activité énergétique. Vous devenez conscient de tout cela. Plus cette activité devient un processus conscient, plus vous arrivez à contrôler la nature de votre vie, ce qui a lieu en vous, à coup sûr, ce qui a lieu autour de vous aussi, dans une large mesure. Donc cette période, ces vacances forcées que la plupart d'entre vous avez, cette pause que vous avez vis-à-vis de vos tâches habituelles, travail, affaires, de diverses autres responsabilités et devoirs que l'on peut avoir dans sa vie, cette pause peut être utilisée pour se tourner vers l'intérieur. Se tourner vers l'intérieur veut dire ceci. Se tourner vers l'intérieur veut dire que tout ce qu'on a accumulé est extérieur. Le monde qui nous entoure, à coup sûr, extérieur. Les choses que nous possédons dans notre vie, notre maison, nos vêtements, nos voitures, nos relations, et même notre corps, parce que ceci aussi, nous l'avons accumulé pendant un certain temps. Tout ce que nous avons accumulé est extérieur, y compris le contenu de votre mental que vous avez accumulé de l'extérieur et la substance karmique que vous avez accumulée à travers le processus de la vie. Donc, en mettant de côté l'extérieur, si vous êtes assis ici et créez une petite distance entre vous et tout ce que vous avez accumulé, vous êtes naturellement devenu intérieur. Donc la différence est juste... ceci, ce qui est moi et ce qui est à moi. Cette distinction doit avoir lieu dans votre expérience. Pour cela, il y a de nombreuses méthodes. Aujourd'hui, ou probablement d'ici demain matin, nous créons un pack avec deux choses. L'une est un chant, l'autre est Isha Kriya. C'est le bon moment pour faire cela, parce que c'est le bon moment pour vous distancer de tout ce que vous avez accumulé, y compris votre virus, si vous l'avez accumulé. S'il y a une distance entre vous et ce que vous avez accumulé, votre capacité à gérer les situations, par-dessus tout, votre capacité à vous gérer vous-même, est tellement améliorée, que les gens qui ne savent pas comment se gérer eux-mêmes commencent presque à penser que vous êtes surhumain. Eh bien, comme je lis de très nombreuses fois, il ne s'agit pas d'être surhumain, mais de réaliser qu'être humain est super. Donc maintenant, tout un tas de gens se plaignent. Qu'allons-nous faire de notre temps? Nous ne pouvons pas aller au bureau, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas aller au restaurant. Qu'allons-nous faire à la maison? Quand la maison est-elle devenue un endroit si terrible? Si la maison est devenue un endroit si terrible, vous devez utiliser ces 15 jours pour rectifier cela et en faire un endroit merveilleux, parce que c'est là que vous vivez, c'est votre base. Si votre base est si terrible dans votre expérience, n'est-il pas temps de rectifier cela? Eh bien, je vous le dis, le problème n'est pas votre maison, le problème c'est vous-même.
parce que vous devez passer du temps avec vous-même, ce qui effraie beaucoup de gens. Eh bien, si c'est le cas, qu'être avec vous-même est un si gros problème, je veux que vous imaginiez les problèmes que le monde doit avoir à travailler avec vous, à être avec vous, votre famille, les gens qui travaillent avec vous, vos amis. Que de problèmes ils doivent avoir avec vous si vous êtes terrifié de passer du temps avec vous-même. Il est très important que nous corrigions ceci. De plus, c'est le bon moment pour le faire parce que, d'une certaine façon, nous espérons que les pertes humaines vont être minimales pour nous tous. Mais que cela ait lieu ou non, à l'heure actuelle, la peur de virus veut dire essentiellement que la mort vous regarde dans les yeux. Si la mort vous regarde dans les yeux, vous comprenez à quel point la vie humaine est fragile. Donc, à un moment comme celui-ci, il est bon de distinguer ce qui est vous et ce qui n'est pas vous, ce qui est moi et ce qui est juste à moi, ce qui m'appartient, eh bien, ce qui est moi est d'une importance vitale. Quoi que vous ayez acquis, vous pouvez passer toute une vie à accumuler des choses, mais il n'y a pas de service de stockage à la fin de votre vie. Donc, nous sommes arrivés ici avec une quantité limitée de temps et d'énergie. Maintenant, il y a un rappel de notre nature mortelle par un micro-organisme. Eh bien, je veux que vous compreniez que l'organisme n'est pas contre vous, il essaie juste de faire sa vie. Malheureusement, sa façon agressive de faire sa vie vous ôte la vie. C'est comme l'activité humaine. Les êtres humains, en quête de leur bien-être, à quel point ils ont détruit la vie sur cette planète, à quel point ils menacent la vie même de la planète. Sans mauvaise intention, bien sûr, juste avec l'intention de bien vivre. Donc, de même, le virus veut simplement se développer, et vous êtes l'hôte. Il fait juste ce que l'on fait à la planète, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Mais là, tout de suite, ce n'est pas le moment de philosopher et de nous rappeler ceci et cela. Là, tout de suite, votre responsabilité fondamentale est de rester en vie et de maintenir tous ceux qui sont autour de vous, en particulier ceux qui sont vulnérables, en vie. Nous devons réussir ce test. Ceci n'arrivera que grâce à une action responsable. En ce moment, en Inde, quasiment tout le pays entre en confinement dans les prochaines 24 heures, je crois. Jusqu'au 31, ce qui veut dire quasiment 10 jours ou 9 jours. Eh bien, au lieu de faire ces choses à moitié, il est préférable de s'y mettre à fond. C'est ce que le gouvernement a décidé. Les gouvernements régionaux se sont aussi décidés à ce niveau-là. Donc, les avions sont tous au sol, les trains sont annulés, pas de transport public, à part quelques services essentiels, tout est arrêté. Cette détermination est très nécessaire pour faire de ceci un processus réussi. Autrement, faire les choses à moitié ne fait que causer de gros problèmes sans résultat. Nous devons être à fond et nous devons être prêts pour 2 à 3 semaines de confinement. Je sais que c'est très coûteux économiquement, en termes d'affaires, en termes de revenus. De nombreux problèmes sont présents. Mais tous ces problèmes sont mieux qu'être mort. Être en vie est la chose la plus importante. Les problèmes, nous allons les gérer. Nous allons recoller les pièces de notre vie une fois cette situation terminée et voir comment reconstruire nos vies. Les institutions, les entreprises, les individus, tout le monde va être touché. Mais il est important que l'on ne laisse pas les gens mourir, que l'on ne laisse pas les gens périr simplement parce qu'on agit de façon irresponsable. Il est extrêmement important que vous restiez en vie. C'est la chose la plus importante à l'heure actuelle. Le reste, nous verrons plus tard. Mais en même temps, l'activité économique n'a pas besoin de s'arrêter à 100%. Aujourd'hui, c'est l'heure des technologies. Avec ça, tout un tas de choses peuvent continuer. Pas tout, mais au moins certaines parties peuvent continuer.
ne nous mettons pas à paniquer, ne créons pas d'angoisse. Parce que si vous vous faites trop de soucis, vous allez multiplier les ennuis, c'est tout ce qui va se passer. Il y a déjà suffisamment d'ennuis. Ne multipliez pas les ennuis dans votre mental en créant de la panique et de la peur. Nous allons gérer ceci au mieux de nos capacités. Nous devrions nous engager à ce qu'un minimum de décès ait lieu. On ne devrait pas laisser de nombreux décès avoir lieu à cause du virus. Ceci est une responsabilité à la fois en Inde et dans le reste du monde que chaque société et chaque individu doit prendre. Il y a des questions de différentes personnes, je crois. Namaskaram Sadhguru. La première question est de Ritika. Sadhguru, d'où vient-elle? Elle est de Bangalore. Sadhguru, j'ai lu récemment qu'en Italie, les dauphins se rapprochent de la côte, qu'en Pologne, les biches marchent dans la rue, qu'en Chine et dans beaucoup d'autres pays, la pollution a diminué. La nature est-elle en train de nous donner une leçon? Eh bien, on nous appelle être humain. Aucune autre créature sur cette planète n'est appelée un être. Nous sommes des êtres humains. Ce qui veut dire que la qualification de base, c'est que nous savons comment être. Malheureusement, l'humanité essaie de défier cela. Eh bien, j'ai dit cela de très nombreuses façons. Si on n'apprend pas à faire les choses comme il faut consciemment, la nature va nous l'apprendre de façon très cruelle. La chose la plus importante dans tout ça, c'est la population elle-même. À l'heure actuelle, ce qui nous embête avec ce corona, c'est la densité de population qui le fait passer partout. Mais personne ne veut aborder cela. En général, les leaders dans le monde n'ont pas abordé cela parce que personne ne veut aller à l'encontre des groupes religieux qui sont toujours contre cela, pour on ne sait quelle raison. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, une chose basique est la population. C'est vraiment le seul problème, si vous me posez la question. C'est-à-dire que nous sommes mignons, mais nous sommes juste trop nombreux. Maintenant, nous avons pris la mort en main avec les sciences médicales, les vaccinations et tout. Une fois que l'on prend la mort en main, c'est du simple bon sens de prendre la naissance aussi en main. Mais nous pensons que la naissance est l'œuvre de Dieu. La mort, nous voulons être sûrs d'en être responsables et de la gérer. La naissance aussi devrait être gérée de la même façon. Si la mort est retardée, la naissance doit être retardée, c'est une chose importante. L'empreinte humaine est devenue tellement importante, tellement immense, que les autres créatures n'ont pas de place pour vivre. Maintenant, cela n'est peut-être pas scientifiquement correct, ça ne l'est probablement pas, mais imaginez que vous soyez un virus. Imaginez que vous soyez un virus et vous vivez dans d'autres animaux, et la population animale diminue constamment. Ne choisiriez-vous pas un nouvel habitat? Peut-être que c'est ce que le virus a fait, parce qu'il n'y a pas assez d'animaux. Une chose c'est que les animaux sauvages ont disparu de façon vraiment tragique. Une autre chose c'est que chaque jour, d'autres animaux sont abattus. En un an, nous abattons plus de 70 milliards d'animaux pour nous nourrir. 10 milliards de personnes tuant 70 milliards d'animaux à travers le monde. Je suis sûr que nous ne mangeons pas tant que ça, mais nous vivons à ce point aveuglément. Donc, si les autres animaux disparaissent, peut-être que le virus mute pour vivre dans un être humain. Je ne parle pas de science. C'est juste de la simple logique. Si vous étiez un virus, ne feriez-vous pas ça? Définitivement, c'est ce que vous feriez, parce que si votre habitat disparaît, vous aimeriez trouver de nouveaux habitats, de nouveaux endroits pour survivre. Donc, d'une certaine façon, ça l'est, mais ce n'est pas le moment de parler de ces choses. Ce n'est pas le moment de dire,
vous avez fait ceci, donc il se passe cela, vous le méritez. Non, ce n'est pas le moment pour ça. C'est le moment d'agir judicieusement. Si les gens sont infectés et qu'ils souffrent, ils ont besoin de votre compassion et de votre attention. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Mais sur le long terme, nous devons réfléchir à ces choses, au fait que si l'on ne donne pas la place aux autres créatures de survivre sur cette planète, alors vous verrez, même nous ne serons pas capables de survivre, parce que notre vie n'est pas indépendante de celle de toutes les autres créatures, en particulier les micro-organismes. Ils font tout à fait partie de notre vie. Vous pouvez vivre sans vos proches et vos amis, mais vous ne pouvez pas vivre sans micro-organismes. Ils font se produire tant de choses. Et vous savez, ce virus pourrait aussi devenir amical au bout d'un certain temps. Parce que c'est ainsi que ces pathogènes fonctionnent. Ils cherchent un endroit pour vivre et prospérer. Donc, leur activité va dans une certaine direction. Est-ce un enseignement? Voyez, dans toute situation, il y a un enseignement, si on est prêt à apprendre. Si on est prêt à apprendre, il n'y a pas besoin de catastrophe chaque jour, chaque instant. Il y a un enseignement, il y a un apprentissage, mais malheureusement, nous n'apprenons pas. Nous attendons que des catastrophes arrivent et ensuite on va philosopher là-dessus. S'il vous plaît, ne philosophez pas. S'il vous plaît, ne commencez pas à dire « Eh bien, nous y voici, et à vrai dire, nous le méritons » ou « Les gens le méritent, les gens qui ont fait cela le méritent. » Laissez tomber ces bêtises, cela ne nous mènera nulle part. Là, tout de suite, l'important est de voir comment ne pas porter le virus. L'important, c'est que vous ne deveniez pas porteur, que vous ne soyez pas infecté. Veillez à ce que personne d'autre ne soit infecté. La chose simple est de maintenir une distance à l'heure actuelle, une distance vis-à-vis de tout. C'est le moment d'être seul. C'est le moment de se tourner vers l'intérieur. Eh bien, ça fait longtemps maintenant que j'essaie de vous rendre spirituel. Il semble que vous aviez besoin d'un virus. Namaskaram Sadhguru. Y a-t-il quoi que ce soit que tous les bénévoles d'Isha dans le monde entier peuvent faire pour améliorer un peu la situation? Tous ces millions de bénévoles que nous avons, en ce moment, le mieux est de rester en dehors des rues, de rester à l'écart des gens autour de vous, de maintenir une distance de 2 mètres et de mettre en œuvre les choses simples dont tout le monde parle en ce moment. Faites cela. En ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Aux alentours du centre Isha Yoga, ici, on pensait lancer une campagne de sensibilisation pour les gens des campagnes. On y réfléchit toujours parce que ce que j'ai compris, c'est que la plupart des gens sont déjà conscients avec la télévision et les réseaux sociaux. Donc ils sont plutôt bien informés, même dans les zones rurales. L'étape suivante, c'est que si les choses deviennent un peu hors de contrôle, si le virus se diffuse massivement, si une telle chose a lieu, j'espère que ça n'aura pas lieu avec ce confinement. J'espère qu'on ne va pas en arriver là, mais hier, lors d'une discussion avec le ministre de la Santé du Tamil Nadu, nous avons proposé que si cela devient nécessaire, si vous avez besoin de milliers de bénévoles disciplinés, nous sommes disponibles et nous allons venir vous aider. Donc nous avons pris cet engagement. De même, où que vous soyez dans le monde, c'est quelque chose que vous pouvez proposer. Oui, cela comporte un risque, bien sûr. Il y a un risque à sortir. Vous-même devriez être extrêmement discipliné pour veiller à ne pas ajouter au problème au lieu d'essayer de résoudre le problème. Vous ne devriez pas sortir ou vous-même tomber malade et ajouter au problème. Chaque personne infectée ajoute au problème. C'est ce que nous devons arrêter. À l'heure actuelle, la meilleure chose à faire est de rester à l'écart des gens, de rester chez soi, ou si vous n'êtes pas en ville, si vous êtes quelque part où il y a plus d'espace, comme des zones rurales ou des collines ou autres, le mieux est d'être à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Au lieu d'être entassé avec une famille de 5 ou 10 personnes, dans un petit bâtiment entre 4 murs, il est mieux d'être à l'extérieur. L'important est que vous mainteniez une distance d'au moins 2 mètres autour de vous, en permanence, jusqu'à ce que ça passe. Est-ce que ça va passer juste comme ça? Peut-être pas. Mais
Si nous tenons suffisamment longtemps, notre capacité à gérer la chose pourrait être grandement améliorée. C'est ce que disent tous les scientifiques et médecins. La prochaine question est de Zaïd. Namaskaram Sadhguru. Je me suis gavé de vos vidéos au cours de ces derniers jours de confinement et je dois dire que vous êtes une rockstar. J'aimerais savoir quelle est la prochaine étape pour les gens comme moi qui n'ont appris aucune de vos pratiques spirituelles jusqu'ici. Comment pouvons-nous démarrer notre périple spirituel ? Eh bien, je ne sais pas pourquoi vous me rabaissez. Je suis un yogi, mais maintenant vous me rabaissez à une rockstar. Parce que, autant que je sache, la plupart des rockstars ont une vie vraiment affreuse. Je n'ai pas une vie affreuse, j'ai une très belle vie en moi et autour de moi. Donc, ne me rabaissez pas. Vous pouvez m'appeler un yogi, parce que j'en suis un. Je sais ce que vous essayez de dire, c'est bien. Eh bien, vous voyez, c'est tout le problème. Ce n'est que quand la plupart des êtres humains n'ont pas assez d'intelligence pour faire ce qui est le plus vital dans leur vie, quand les choses se passent bien dans leur vie. Ils ont besoin d'une catastrophe, ils ont besoin d'un désastre pour les réveiller. Très bien, c'est arrivé. J'espère que ça ne va pas devenir une catastrophe, mais nous faisons effectivement face à une catastrophe imminente. Donc c'est le moment où vous voulez devenir spirituel, c'est bien. Peu importe la raison pour laquelle vous devenez spirituel, tant que vous rendez votre vie profonde. Tout d'abord, comprenons ce qu'est la spiritualité et ce qu'est une pratique spirituelle. Tout ce que vous avez accumulé est en grande partie de nature physique, y compris vos relations et votre travail. Ce sont toutes des choses physiques. Ce que vous n'avez pas accumulé, ce qui est la vie elle-même, c'est ça, le processus spirituel. Essentiellement, ce que vous dites, c'est « Devrais-je démarrer un processus spirituel ?» veut dire « Devrais-je trouver un moyen de creuser profondément en moi, de connaître la profondeur de mon existence, ou devrais-je juste vivre à la surface ? Devrais-je juste vivre avec un tas de choses que j'ai accumulées, ou devrais-je connaître la nature de mon existence ?» C'est la question que vous posez. Vous devriez, vous ne l'avez pas fait pendant tout ce temps, maintenant vous pensez que je suis une rockstar, donc si cela vous plaît, peu importe comment ça marche pour vous. Mais, comme je l'ai dit, nous créons un pack avec un certain chant et une certaine pratique appelée Ishakriya. Il sera disponible sur l'app, vous pouvez l'utiliser. Le chant est fait pour générer du Samat Prana ou de la chaleur dans le système, de l'Ushna dans le système. Ushna, le mot anglais serait simplement chaleur, mais ce n'est pas en termes de température. Il y a quelque chose qui s'appelle Ushna et Shita, qui en anglais est traduit par chaleur et froid, mais ce n'est pas exactement ce que ça veut dire. Ça pointe dans la bonne direction, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc si vous générez suffisamment de Samat Prana et créez de l'Ushna dans votre système immunitaire va bien mieux fonctionner. Donc le chant est fait pour ça. Le chant va générer une certaine quantité de force dans le système immunitaire parce qu'il génère de la chaleur. Vous avez entendu, probablement pas, mais la plupart des Indiens ont entendu parler du mot tapas. Tapas veut dire, tap veut dire chaleur. Tapas veut dire un processus qui génère de la chaleur dans le système parce que maintenir le système immunitaire à un haut niveau de résistance est extrêmement important si l'on veut traverser la vie de façon confortable sans que de petites choses nous fassent dérailler du but de notre vie. Des rhumes et toux et fièvres font dérailler les gens de ce qu'ils veulent faire dans la vie, simplement parce que les systèmes immunitaires ne sont pas aussi bons qu'ils devraient. Donc nous allons vous enseigner ce chant et Ishakriya qui va vous aider à vous tenir un peu à distance de tout ce que vous avez accumulé, y compris votre corps et le contenu de votre mental. Si vous faites ceci, l'important est simplement ceci. Voyez, vous ne connaissez que deux sortes de souffrances, la souffrance physique et la souffrance mentale. Une fois que vous créez une petite distance entre vous et votre corps, entre vous et votre mental,
c'est la fin de la souffrance. Donc, ceci est le bon moment pour vous rendre tel que vous êtes au-delà de la souffrance. Une fois que vous êtes au-delà de la souffrance, vous allez naturellement vouloir explorer toute la profondeur de votre existence. Cette question est de Sergi. Cher Sadhguru, je vis en France, mais je suis italien. Toute ma famille est en Italie. Comment pouvons-nous ne pas paniquer et rester calme dans cette situation? Il est très difficile pour moi de rester calme. Merci pour votre aide et prenez soin de vous. Eh bien, différentes personnes dans le monde se retrouvent dans différentes situations. Pas plus tard qu'hier, je parlais à quelqu'un que je connais très bien. Elle me disait que son fils est à New York, infecté avec le coronavirus. La mère et le père sont ici en Inde. Le garçon est tout seul là-bas, dans son appartement. Et ils sont terrifiés. Maintenant, elle me dit, pourquoi envoyons-nous nos enfants si loin? Ne peuvent-ils pas être heureux et bien ici, là où nous sommes? On les envoie si loin et maintenant, il est infecté par le coronavirus et je ne sais pas quoi faire. Eh bien, je lui ai rappelé, eh bien, il y a 10 ans, vous aussi étiez très loin de vos parents. Maintenant, vous êtes revenu. Peut-être qu'avant votre mort, lui aussi va revenir. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste que vous devez comprendre que le bien-être humain ne viendra pas parce que vous allez ici ou allez là ou faites ceci ou faites cela. Il y a une pluie magnifique ici, nous sommes en extérieur. Donc, je comprends la difficulté lorsque les gens qui vous sont proches sont ailleurs, en particulier dans un endroit où il y a beaucoup d'infections. Et, pardonnez-moi, vous savez, des centaines de morts par jour. De toute évidence, vous allez vous faire du souci. Mais en vous inquiétant jusqu'à tomber malade, en paniquant, vous n'allez résoudre aucun problème. Comme je l'ai dit, en vous inquiétant, vous n'allez faire que multiplier les ennuis. Il y a des ennuis en ce moment. Personne ne peut le nier. Il y a de véritables ennuis pour nous tous. Aucun doute là-dessus. Mais devrions-nous gérer ces ennuis au mieux de nos capacités ou devrions-nous les multiplier dans notre mental? Ça, c'est le choix que nous avons. Ce que je vous conseillerais, s'il vous plaît, c'est de ne pas multiplier ceci dans votre mental. Il y a déjà suffisamment de problèmes dans le monde. Chacun d'entre nous, voyons comment gérer cela, comment minimiser ce problème, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. C'est sur ça qu'il faut se concentrer, et c'est ce que nous devrions faire, parce que c'est ce qui est nécessaire de la part d'un être humain. Cette question est de Tejas. Namaskaram Sadhguru. J'ai récemment lu un article disant qu'après le confinement en Chine, le taux de divorce a augmenté. Maintenant que ça démarre en Inde, avez-vous des conseils pour nous, les couples indiens? Eh bien, si vos mariages ne survivent que du fait de la séparation, c'est triste. Au moins, le virus leur a fait réaliser qu'ils sont dans un mariage, qu'en réalité, ils n'avaient pas. Parce que rester ensemble quelques semaines va tout casser. Eh bien, cela veut dire que vous n'aviez pas réellement un mariage, vous aviez juste un arrangement qui perdurait du fait de votre absence, pas du fait de votre présence. Je ne pense pas que ça va être un gros problème en Inde. Je suis sûr qu'ici, ceux qui ont été occupés toute leur vie, ils vont apprécier d'être avec leur famille. Ils vont bien s'entendre et donner plus de sens à leur famille, pour eux-mêmes et pour tout le monde. C'est ainsi que l'on gère ces choses ici. Je ne pense pas qu'il faille insister là-dessus. Lorsqu'une société devient absolument tournée vers la façon d'utiliser toute chose pour le bien-être, si vous pensez seulement à la façon dont votre mari ou votre femme devrait vous servir, s'ils vous sont utiles ou pas, si vous pensez constamment à cela, ce genre de choses vont arriver. Rendez votre vie de telle façon que vous cherchez toujours à voir comment rendre belle la vie de quelqu'un d'autre. Que vous soyez beau est un projet que vous devriez achever en vous,
Et maintenant, votre projet devrait consister à rendre la vie de tout le monde belle. Merci beaucoup. Arrêtons-nous ici. Il pleut des cordes. Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kaleshwaraya Shiva, shiva, sarveshwaraya Shambho, shambho Mahadev.